Bonjour Vincent. Bonjour Eric. Donc Vincent, tu as fait une vidéo déjà il y a 15 jours déjà. Tu avais fait une vidéo au bout de ton 7e jour de jeûne et là tu es le 22e jour là. 22e jour, donc la reprise Voilà, alors alimentaire. ça fait du bien de reprendre. Pas particulièrement, mais bon, T'aurais bien voilà. continué. Je reprends. Je vais T'aurais pu jour. continuer. Donc 22 jours de jeûne. Donc au total, depuis que tu as changé ton alimentation, parce que tu as commencé il y a longtemps, tu as minci de combien au total? Alors, bah écoute, je suis à 86 500 aujourd'hui. Donc, de retirer de 100, entre 108 et 110, enfin, je dirais 110, moi, j'ai eu au mois de 24 février, janvier, pardon, 24 janvier. Donc 110 kilos pour quelle hauteur? Telle taille? 1 m 77. Voilà, 1,77 m. Aujourd'hui, tu es à 86 kilos. Et tu avais autre chose? Tu avais le diabète, non? Alors, le diabète qui est venu avec la première pancréatite, puisqu'ils m'ont soigné, la première pancréatite aiguë grave, ils m'ont soigné à grosse dose d'insuline. Alors, en définitive, ben, quand je suis revenu dans le circuit, ils m'ont donné déjà de l'insuline par seringue, et après, ils m'ont fait bénéficier d'une pompe, ce qui était très. Ça facilite beaucoup les choses, une pompe à insuline. Mais voilà quoi. L'insuline, alors on mange, on donne de l'insuline, ça fait baisser le sucre, mais on stocke, on stocke, on stocke. Et donc là, Les graisses, les rotées. avec le jeûne, tu as suivi ta glycémie progressivement et tu as pu enlever ta pompe à insuline, c'est ça? Voilà, j'ai pu enlever ma pompe à insuline et mieux que ça, je me suis rendu compte que mon organisme gérait tout seul et ne descendait pas, par exemple, à 0,45, ce qui commence à être dangereux. Elle restait bien entre 0,65 et 1,10, quoi. Voilà. Ouais, donc ça s'est bien régulé. Ça s'est bien régulé, donc bon, j'ose espérer que voilà, ça va faire pareil pour la suite. Voilà. Super, super, super. Bon, ben, je te félicite. Je te félicite. Et pour toi, ça a été dur le jeûne? Pas du tout. Franchement, à partir du troisième jour, bon, le troisième jour, j'ai eu quelques vomissements. Ça n'allait pas très bien pour l'estomac, quand même. Hein. L'estomac, il a rechigné un petit peu. Mais après, ça s'est rétabli. Et franchement, j'ai pas souffert du jeûne jusqu'au 21e jour, je vous assure. Écoutez, ça va tout seul. Voilà. Pas de faim, quelques petites crampes d'estomac. On se lève d'une chaise, un vertige, très très intempestif, ça s'en va tout de suite. Voilà. Bon, bah c'est super, super. Merci Vincent, tu veux dire une dernière chose? Non, ça va, je te remercie. T'as Bon, tout ben, dit. je salue tout le monde et puis j'invite ceux qui ne connaissent pas le jeûne à au moins essayer de comprendre. Oser le jeûne, parce qu'il faut être osé. Faut être osé. Ok. Pause. Merci, donc j'arrête l'enregistrement.